Mission VIP jeudi à recevoir Monsieur Jacques Trouillot. Alors, dans la communauté haïtienne, dans son nom qui passe de présentation, c'est pas un nom qui mérite pour nous présenter encore, mais quand même, nous avons fait présentation pour nous capables de connaître qui est. Tout d'abord, Jacques, nous saluons, nous remercions parce que vous acceptez l'invitation. Bonjour, bonjour, m'a dit un gros merci tout que tu branches temps pour t'inviter et m'a salué tout auditeur téléspectateur qui branchait émission VIP dans Télé Radical. Son plaisir pour moi la jodi hein, et pour nous parler avec mon lion. Voilà. Alors maintenant, nous allons faire ça nous relier le carnet d'adresse de l'invité côté qui est invité, on va partager avec nous qui monde qui lié. Donc qui est ce monde qui est Jacques Trouillot? Est-ce qu'on peut parler nous un peu de vous? Bon, en fait, Jacques Trouillot, c'est un, j'en ai dit à la présentation, un entrepreneur, un artiste et un père de famille, capable de dire tout, parce que nous gagnons un peu le chapeau. Nous, ça fait quand même 18 ans que nous émigrés dans Montréal, et si nous disons parcours fait en Haïti, son gros parcours, parce que j'ai commencé à l'âge de 12-13 ans, côté moi-même, moi j'étais jeune scout, côté que moi-même à 16 ans, j'ai représenté Haïti dans Jamboree en Australie. Donc j'ai fait un gros voyage, passé par Australie, Nouvelle-Zélande, Hawaï, Los Angeles, donc j'ai passé tout côté ça. Et ensuite, j'ai devenu assez influent au niveau des affaires, parce que j'ai commencé déjà avec imprimerie, ce que m'a fait à Montréal. Donc c'est pas ici que j'ai commencé imprimerie depuis Haïti, j'ai gagné un prix quick, un prix ça. Côté m'était associé avec des grands comme par exemple Nesky Maniga ou encore Roro Farrell d'ailleurs qui c'est lui-même parrain de mariage moi. C'est ça. Et nous t'es André, nous t'es fait partie de la GCI, la Jeune Chambre Internationale, qui c'est quand même moi une association de jeunes entrepreneurs et avec la Jeune Chambre, moi j'ai eu une chance à représenter dans plusieurs côtés, dans le Guadeloupe ou encore la République Dominicaine. Malheureusement, je suis allé en Europe. Ce que je fais ici avec le manager de mon groupe, parce que pendant moi-même, je suis immigré, je suis entré dans le spectacle, dans le show. En fait, le premier livre que j'ai publié tout, Fomzo, c'est à 17 ans, quand j'ai publié pendant que j'ai fait retour dans Saint-Louis de Gonzague, et premier recueil de poèmes. Pour qui ça m'a inspiré pour me parler du recueil ça? Déjà, on a écrit des poèmes qui étaient dans le tiroir. Et un jour, j'ai un frère qui paraît dans la classe, qui dit que longtemps, tu as publié très jeune, alors que nous parlons ça. Et il me dit, mais c'est vrai, bon, prends chance là dans ce sens-là, côté que moi-même, j'ai décidé de sortir, recueille ça, qui est le poème de malheureux. Et recueille ça, tu as gagné un pile succès. Et c'est à cause de recueille ça, justement, parce que difficulté me t'ai rencontré pour imprimer recueille ça, je me dis, ah, prochain recueil, moi-même, il faut être capable d'imprimer. Et c'est comme ça que je viens d'entrer dans le domaine imprimerie. Et déjà, à 18 ans, je travaille dans l'imprimerie, côté de travail dans un journal, Haïti Demain Magazine, journal ça, qui lui-même qui est très controversé parce qu'il était très politique. Et moi-même tout pour sécurité pas, moi j'ai décidé de camper sur activité aller dans le journal là, parce que en plusieurs fois il y a des manifestations, il y a des roches capturées et c'était au centre-ville, côté que moi-même je sorti l'école à 4h de l'après-midi pour moi-même aller dans le journal là pour finir le travail de 4h à 10h parce que j'ai fait editing journal là, mise en page journal là. Et tout ça c'est des expériences que m'acquérir que moi-même moi toujours observé avec, parce que actuellement à Montréal, depuis près de 4 ou 5 ans, un journal que j'ai édité, qui s'est Le Monde, qui a édité à 10 000 exemplaires à Montréal. Parce qu'il y a un pile d'autres bagages que le monde peut-être pas connaît dans la facette imprimerie. Et moi-même, j'ai décidé, le Vinicite, je me suis dit, après 5 ans, je suis capable au moins monter un business plan, monter imprimerie. Parce que c'est ça que c'est ça que j'aime. Et c'est ainsi que monter Jacques Trouillot Inc., impression et infographie. Et depuis à peu près 11 ans, nous sommes sur Montsléa, coin P9, n'a ferraillé, n'a travaillé avec la communauté. C'est sûr que c'est un bagage qui est facile, mais en même temps, le qui va faire un bagage avec cœur, le qui va faire un bagage au coin, va faire pas pour seulement, mais ou représenter toute une communauté, ou bailler tout le monde là-dedans. Et ça va permettre, ça va faciliter la tâche là, parce qu'on va faire au remède. Et être entrepreneur, il faut comprendre que ce n'est pas seulement du 8 à 5 côté où on vient, ou vient faire travail ou aller. Alors que pendant l'emploi, il y a lui-même là, la qualité, il a dormi, ou même ou là, comme entrepreneur, il est obligé de réfléchir stratégie. Surtout de nos jours, côté que bagaille vient changer, ou obligé ou même font courbe à 90 degrés pour être capable de chercher côté bagaille pour ou même ou continuer à survivre.
Au devant, c'est nous vraiment dans plusieurs questions et pour moi, j'aime ça parce que ça va nous mettre plus en contexte des séries de questions pas même besoin de poser. Par exemple, Jacques, on parlait de imprimerie hein, parce qu'on a décidé de rentrer. Moi-même, pas si c'est Canada où tu es rentré là-dedans, mais c'est depuis en Haïti où commencez à faire ça. Exact. C'est ça. Et on explique tout, là, okay, parce que j'aime nous dans nos détails, on explique tout, c'est par rapport avec difficulté côté jeune, côté sorti en requête, qu'il faut venir lancer où dans le mouvement imprimerie. Mais où y en là, au Canada? Est-ce que c'est encore une fois, j'en dis, c'est par amour que vous avez pour ça qui fait que vous arrivez au Canada, vous continuez la donne, ou du moins, est-ce que vous avez un manque dans la communauté à ce niveau-là aussi? Bon, en fait, ça c'est deux volets, j'en dis. La première chose, pas oublier que ou fait ce qu'on est, ou fait ce qu'on est. Et moi, je fais 5 ans à travailler pour une compagnie qui relie IBM, une compagnie informatique. Okay. C'est moi qui a préparé le guichet pour toute banque. Dès qu'on a travaillé, réparé ordinateur pour un pile gros compagnie ici. Cependant, je n'ai pas de jambe. Pendant 5 ans, ça, bonheur, je n'ai pas de la donne. Je fais parce que pour me survivre à besoin, mais en même temps, pour me faire des économies, pour me bâtir propre business. Oui. Écoute, donc là, manque l'entour, oui, vine gagner parce que moi-même, moi remarqué dans la communauté a nous manquer diversifier dans type d'entreprise que nous a fait donc gain pile sous regardez bien si t'as qu'à faire un schéma gain pile salon de coiffure gain pile monde qui dans domaine taxi gain pile monde qui dans domaine faire manger mais dans l'autre activité yo, nous avons manque là-dedans et c'est peut-être à cause de manque ça qui fait que imprimerie incapable de grandir vite et je pense que bon mouvement tout nous t'as capable dire Peter que côté que on dirait que haïtien voulait supporter haïtien. L'important parce que si nous-mêmes dans la communauté pas nous, yon supporter l'autre et si nous joignons des monde qui fait bagaille avec un professionnalisme qui fait au bien, on pense que l'important pour yon supporter l'autre. Et c'est ça qui fait facilement on vient demander pour demander appui, demander support depuis que capable moi-même c'est avec eux m'a fait et m'a bailler. Donc parce que l'important pour yon j'aime tout supporter l'autre. Donc besoin de là moi-même entrer là-dedans et c'est ça qui fait qu'il y a d'autres besoins tout que rentrer parce que même au niveau par exemple HMI côté me fait 10 ans m'a ban pile coup de main dans HMI là moi venir avec des mouvements parce que moi-même son qui joue à inventer des affaires moi fais ça avec les compétitions qui sont compétitions entre les groupes en combat donc moi fait malheureusement nous pas qu'à continuer deuxième année parce que manque support moi venir avec des émissions même par exemple top 7 que nous venons sur Radio Tandem, que m'a collaboré depuis quelques années dans des émissions tout. Donc parce que justement nous voulons essayer de faire mouvement avancer. Donc m'a profité saluer Radio Tandem qui suis en branché qui a regardé nous là avec Marie-Claudine Pierre-Louis, oui. Gros shout out qui a supporté sérieusement dans ce sens là. Et moi je viens d'entrer dans d'autres domaines tout après. Vous me posez une question. Oui. Nous parlons dans l'autre domaine, yo, c'est sûr, parce que vous parlez de radio et là nous allons arriver là. Nous sentons comme si vraiment prendre piqûre de radio. C'est à partir de quel moment où on dit que là, nous avons besoin de ça, faut que je parle, faut monter dans la radio. En fait, pour me donner à voir, moi, j'ai gagné une approche après une entrevue que j'ai fait avec Wolindi. Wolindi, t'es demandé est-ce que je suis capable d'être comme lui ouais moi très impliqué au niveau compas surtout compas local si t'es capable de tourner genre t'as qu'à dire ou ambassadeur pour jazz local ou dans radio et que comme ça le bon mon chronique et me gagnais tout à l'époque de Radio Tandem côté que t'es gagné Zaminon qui dans à radio écoute FM Kounia qui t'a fait ma proche là tout si t'es capable d'aider l'animal émission okay. Et donc moi dis bon pas de problème pour moi je suis toujours prêt depuis me gagne temps pour me bailler coup de main. Donc et c'est comme ça nous venons entrer dans le domaine là on a fait émission mais pas oublier tout moi même j'ai toujours fait des entrevues pas seulement dans la radio avec télévision dans exactement donc par rapport non seulement à ça me fait comme au niveau Etiamaila ou bien encore au niveau livre pas oublier me vient monter tout en 2019 édition Jacques Trouillot, l'homme quitté domaine Diazam, dit bon, pas rentrer comme manager encore, donc on va rentrer dans le livre, parce que pas oublier, je me dis publié plusieurs livres, et ici à Montréal, ça c'est le troisième livre que je publié. Ça veut dire que je parlais de oui. L'ampleur poésie. Oui. C'est le premier recueil poème. Oui. Même si tu as publié un recueil de blagues, Sexy Toto. Oui, et Sexy Toto. Donc, Sexy Toto, que tu as publié, que tu as lu tout, qui a un pile belle blague là-dedans. Pour nous finir à ça, pendant quoi pas. Est-ce que vous-même vous êtes blagueur ou bien c'est blagueur à le chercher ou publier? Bon, en fait, moi-même, j'aime les blagues. Moi-même, j'aime oui, moi j'aime ça. Yeah. Donc, blagueur, regardez, soit les Sexy Toto, c'est blague que je vais chercher. Mais cependant, il y a d'autres projets à côté de nous-mêmes, tout.
nous avons un gros projet que nous avons monté avec CM, côté de Chevrolet dernièrement. Nous avons avec David Mézi, parmi nous fêter à dernièrement des fonds super bel spectacle. Viola. Et donc là, nous avons un projet tout justement des blagues. Et là, nous commencé à vraiment écrire propre blague pam. À partir de ça, nous avons parce que quand même, c'est rare qu'on va inventer toute bagaille, mais grand pile bagaille ou même vous attendez pour transformer dans blague. Façon pour faire vivre. Exactement. Et chaque dit là, c'est une différence. Même bagaille ou même on va dire, laissez Peter dire, laissez-moi dire, chaque bagaille différent. Chaque bagaille flavor, saveur. Exactement. Alors, question que nous connaissons qu'en Haïti, vu que où évolue en Haïti, où dit que à partir de 16 ans, tu as représenté en Haïti, en Australie, ou fait un pile bagage depuis à 18 ans, depuis avant ça même, depuis 15 ans, tu es entrepreneur parce que tu as un mouvement ça. Est-ce que vous pensez le fait que vous-même, vous sortez, ou pas même couleur avec le monde qui a gardé ça, qui a connu, est-ce que vous pensez que couleur pour te jouer en faveur en Haïti par rapport avec classe? On nous connaît comment ça y en Haïti et classe sociale? Bon, ça c'est une question. Pas qu'à vraiment dit que couleur peau me joue en faveur parce que moi-même personnellement pas jamais mettre ça dans tête moi. Moi-même personnellement je suis un homme, je considère comme homme du peuple et moi-même moi pas qu'à dire que il y a plein de monde qui joue penser une sorte de pétion ville etc. C'est pas vrai. Pour moi-même moi sorti nazon et moi-même moi t'es toujours avec tout le monde nous tout et même ici toi pour ces mêmes bagages là n'abat tout le monde support nous pas penser à ça. Moi me plus penser à travail. Moi crois que ça qui est important pour chaque monde c'est faire un bagage qui pour qu'à quitter trace. Donc ça veut dire que moi-même c'est dans des compétitions malais. Exemple le dans l'Australie c'est pas comme si on est choisi. Ils ont fait des compétitions et puis moi-même terminé une première dans la compétition en tête parce que moi-même dévouement pas moi vrai fort moi toujours devant c'est pas fort moi voilà. Et c'est la même chose mais que même bagage là le mal ici de mal l'école me fait un DEC en gestion de réseau. Moi-même moi dis pas d'accord on élève fait plus l'autre passé c'est comme ça moi-même moi concevoir l'école là donc automatiquement mettre ça en tête moi m'a poussé pour me faire le maximum pour me faire des séminaires malais par exemple London malais Ottawa mais pas Ottawa mais Toronto pour IBM avec d'autres étrangers c'est sûr c'est tout des blancs etc. Mais malgré c'est en anglais m'pas dire anglais bon mais m'a bon sur yo parce que le problème moi même pour rentrer dans chambre d'hôtel là yo même côté yo pral boire yo pral enjoy moi même m'a préparé exactement pour qu'on aime numéro 1 voilà. En tant que promoteur producteur d'événements qui activité que vous gardez jodi an la côté que n'a parlé en 2021 en esprit comme yo réussite dans tout ça que vous touchez yo? Bon, en fait, pour moi-même, réussite, pas tout ça me touche, pour moi-même, son réussite. C'est sûr que l'IA ne doit pas au même niveau. Si je réussis peut-être à 8 points, à 9 points, je peut-être réussi à 6 points, à 7 points. Exemple, imprimerie pour moi, son réussite, parce que quand même, tout le monde est capable de regarder l'évolution de l'heure commencée en 2010 par rapport à 2021, et nous passons sur le bagage 2019. Nous passer du feu et 2020 nous gain corona covid qui ont déjà bloqué toute activité et c'est ça que moi même ça permet moi aller chercher d'autres créneaux qu'on y a obligé d'entrer dans la photographie me font studio photo parce que me connais besoin ça ou capable plus entrer là-dedans et en pile artiste tout toujours un problème photo leur vie ben font flyers ou photo pas jambe bien artiste même pas jambe à évoluer avec le temps, ah, ça veut dire un photoshoot, il y a un pile qui n'a pas gagné, surtout si c'est évangélique, je travaille un pile pour eux. Donc au moins, je m'offre une opportunité. Ça. Mais le problème qui fait que je suis capable de dire dans le domaine, ça, je ne pas dire que je réussis à un gros pareil, mais Peter, si vous regardez bien, comparativement à tout manager passé dans Montréal, petit peu de temps, nous venons, nous quittons Trasto. Nous quittons et nous faisons bel travail. Nous menons jazz en France deux fois, dans l'Haïti deux fois. Nous performer Haïti dans plusieurs festivals, dans le Tigouave, dans le Saint-Marc, nous jouer Jacques Mel, nous jouer Delma, donc nous fait quand même quelques affaires. Nous aller en France, quand nous faisons une belle prestation, malheureusement, nous avons quelques problèmes qui ne pas fait prestation que nous devons. Nous avons des projets, moi-même actuellement, j'ai des contacts en Guadeloupe, et là actuellement, je travaille avec un autre groupe comme conseiller qui est le Quality. Et je connais Quality, ou après, tu es en train de prendre un troisième prix dans Silidor qui s'est fait en 2020. Donc,
Donc, nous avons dit 2020-2021. Donc, avec Ronald Lebeau et Alain Jean-Louis, donc, nous avons travaillé et on va sortir une musique là, le 17. Okay. Donc, notre travail en collaboration, ça veut dire que nous-mêmes, nous toujours prêts pour le travail. L'autre bagage qui est important pour nous connaître, c'est le dévouement par vous. C'est le cœur que vous mettez dans chaque sort fait. Et vous faites avec cœur, ou pas de regret, ou pas de rien. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun regret, par exemple, pour Etienne Maïla, etc. Nous sommes toujours ouverts pour une collaboration à tout jazz qui est prêt pour tendre. Mais le problème qui gagne, en pile fois, ou bien mon des conseils, mais mon n'a pas appliqué conseil. Il n'y a pas besoin d'ouvrir. Des fois, mon n'a pas demandé de penser. C'est comme si on a dit là, même qui prend la billet, ou dit soit penser, mettez bleu, mettez maillot bleu, mais maillot vert là. Finalement, mon n'a dit ouvert, mais en tête pas, ou t'as envie de mettre bleu là. Ou chercher mille excuses, ou dit mon n'a pas trouvé vert là, en tige trop serré, ou pas vraiment manche trop long, ou bien tout excuse, alors que c'est pour mon n'a. C'est comme si on appuie qu'on a besoin de mon n'a, mais en fait, c'est pas conseil ou besoin. Et c'est plus gros problème nous gagnons dans les tiers là. En pile artisio, artistes généralement peut-être y ont enflé beaucoup à l'artiste là, donc ils ont même y ont pensé y ont l'autre niveau, oui, l'autre niveau ils ont pas besoin de travail. En ce temps ils pas de travail et je dis à eux la grande réalité parce que tout le monde est même son qui écrit en pile jeu de mots. Vous avez fini sur mon réalité, il y a un bon point qui est très important dans mes paroles sur l'émission par rapport à ça. Et dans mes paroles maintenant, Jacques, pour ceux qui suivent, qui peuvent le découvrir, ou pour son auteur, ou publié dernièrement Le Rire en pleurs, qui c'est Yon Goma. Non, c'est un recueil de poésie. Recueil de poésie. Donc, comment l'idée ça a été venue pour te sortir le livre ça? Bon, en fait, motif, moi, c'est là, moi-même, j'ai décidé de m'en quitter Managing Creole Mix de Montréal, bien sûr. Et moi, j'ai dit, bon, au lieu de moi-même, j'ai pris le temps pour me promouvoir d'autres artistes, parce que ça, quand même, prend beaucoup de temps. Oui. Tant pas seulement non, réfléchi, tant on n'a pas rempli le téléphone, etc. Parce que, en même temps, là, c'est comme si à chaque fois, il faut essayer de convaincre moi-même de faire tel bagaille, pour faire tel bagaille, car bon pour lui, il faut convaincre lui. Deuxièmement, il faut faire des promotions tout le temps sur Facebook. Parce que ça, tout le monde va comprendre. McDonald's a fait promotion jusqu'à présent. Coca-Cola, toute grande compagnie, ça y est, quoi dans ça. Oui. Donc, marketing, un bon outil marketing qui est quand même gratuit, qui c'est Facebook. Mais pour qui ça, artiste pas utilisé. Donc, nous considérons Pilates comme des analphabètes. Ça, c'est un homme qui devine avec l'autre jour là. Parce qu'il n'y a pas là sur net, il n'y a pas senti présent sur net. Alors que. Qu'on le veuille ou non, pendant le temps de faire moi-même dans Creole Mix comme manager, où tu es présence de hasard. Quitte nous pas à faire rien, quitte nous à faire une activité, mais tout le monde est toujours là. Aucun bien là, parce qu'aucun bien au niveau. Oui. Mais là, qu'on y a là, je ne dis pas là, où est comme si Bagayon Dijan, vous ne pas dire au fret, il mourit. Exactement. Donc, à partir de samedi, bon printemps, pour me promouvoir tête pam. Et en peu de temps, parce qu'il y a des gens qui connaissent des poètes, bien que je me suis sorti 5 recueils de poésie. Mais quand j'ai défendu un campé sous poésie, je me disais, mais bon, je vais être mon deadline, je dis de 2 mois, moi-même, je travaille, je vais sortir un recueil. Et déjà, je travaille sur l'autre recueil, parce que quand même, avec Corona, j'ai envie de camper. Et nous faisons 2 lancements le 28 et 29 février 2020. Oui, côté nous avons fait des lancements, nous disons, fond bagaille. L'important que nous faisons un bagage. En plus, on apprend excuse sous Corona, sous ceci, etc. pour ne pas faire rien, même penser que c'est le moment de faire. C'est sûr que automatiquement, bagage est levé, ou après, on commence à refaire un autre lancement pour moi, si je continue à vendre le livre, parce que j'ai un peu de stock toujours. J'ai un stock qui est là. Donc, j'ai un peu de monde qui peut vendre le livre là. Moi-même, je continue. De temps en temps, j'ai un peu de monde à vendre. De temps en temps, je vends tout sur le site internet là, www.jacquestrouillot.ca. Je vends plusieurs livres en ligne. Oui. Petite ça, qui ça qui motive au petit pour ça? De rire en pleurs, en fait, que moi-même tout, c'est comme un retour sur moi-même, sur un petit bagage qui peut-être que je regrette ou bien des bagages qui t'ont fait mal. Je t'en remets que je m'en dis pardon pour yo. Je t'en remets justement. Pendant que j'ai oui qui fait briller, j'ai tout qui fait briller. Donc, je voulais partager des moments. C'est des moments côté cœur affaibli, des moments côté cœur heureux. Donc, c'est ça qui n'a de rire en pleurs. Même j'ai un petit parti de tout là-dedans qui c'est des conseils côté que m'écrit des vers en français, traduit en créole, pour me capable de montrer mon yo. C'est des conseils, c'est quelques pages de conseils. Mais en fait, c'est juste partager les émotions du cœur comme de rire en pleurs. Donc, parce que, ouais, c'est des moments qui sont heureux côté que n'a pris. Que n'a content, exemple, imaginez-vous, l'organe de visite qui a privé le matin avec un sourire.
sourire, l'Europe garder arôme du café du matin, l'Europe penser à Haïti, l'Europe prendre centre café, c'est des moments de bonheur. Alors que l'Europe lever toi même dans ouais neige là dehors pour le pelleter, on a envie de crier. Donc tout ça là, c'est un amalgame d'émotions qui n'en dure rien. OK. On parle tout à l'heure là, on mentionnait père de famille parce qu'on s'est père de deux petites filles extraordinaires que on toujours fier pour poster ensemble avec eux. Comment on fait pour arriver pour concilier petit tout famille, travail ça yo qui m'en donne pile le temps et puis avec passion tout. Bon, en fait, pour me dire honnêtement, c'est pas seulement moi-même parce que quand même pour me dire deux belles filles ça yo, yo gagné un superbe maman qui l'a tout le temps pour yo tout, qui a backup, donc qui connaît que nous-mêmes nous pas grand pile temps, les mêmes s'il gagne plus de temps, il est toujours là. Moi-même par exemple, c'est une raison que fait le samedi me pas travail, me consacrer vraiment pour me avec Timonio parce que madame elle est au travail. Donc c'est un peu comme ça et le dimanche c'est plus ensemble avec la famille, nous plus ou moins rester là pour au moins si une bonne journée capable d'être ensemble vraiment manger ensemble, parler etc. Donc l'important pour nous bailler Timonio temps yo. Et le matin, chaque matin, c'est moi qui vais le déposer à l'école. C'est maman à chercher parce que je connais ma vie à Montréal, on dit janvier. Donc, en dehors, donc le temps même pour me sortir, pour me rentrer à Montréal, son gros parcours à chaque jour, le matin et le soir, et ça va déranger encore. C'est quand même après 11 ans, on est habitué. Alors, mesdames, messieurs, vous suivez encore une fois les VIP sur Télé Radical. N'oubliez pas abonner, partager et puis à suivre Jacques Touyo qui a un gros travail qu'il a fait dans la communauté haïtienne dans Montréal et sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire travail arrivé très loin parce que là, il parle de Paris, côté qu'il a travaillé avec le monde. Nous sommes notés là, on parlait de Créole Mix qui c'est un jazz que vous avez manager. Mais, ou marqué, ou dit Montréal, bien sûr. Ça veut dire que Créole Mix est de l'autre côté. Oh non, c'est parce que normalement, Zaza, moi-même, j'étais là, j'étais le Créole Mix de Montréal. Mais maintenant, pas oublier que moi-même, je viens de quitter et qu'il y a un autre monsieur qui décide à le fond, l'autre Zaza. J'ai le Créole Mix tout. Mais j'ai le Créole Mix, mais c'est pas même Créole Mix. Parce que non, a changé dans le registre des entreprises, tout et tout. Donc, il y a même, le Créole Mix tout. Non, bien que Créole là avec Mix, ça vient de son seul mot. Alors qu'avant, il était séparé. C'est ça. Ok. Nous allons prendre une pause. De retour, là, nous sortons dans la pause, non? Nous allons faire ça, nous allons confessionner. Radical, c'est-à-dire que côté que nous allons poser, invité à des questions qui probablement nous capables peut-être trouver qui personnel, mais en même temps qui rentrent dans le même cadre d'interview que nous avons fait là. Donc, restez branchés, invité nous aujourd'hui, c'est Jacques Touyo qui est un poète, imprimeur, éditeur. Nous prenons une pause, nous tourner tout de suite encore dans un petit moment. Bonjour, bienvenue à l'émission Le temps d'une chanson spéciale Free Aid. Chanson tout d'abord est une émission de variété, une émission où j'invite des artistes à performer, mais plus précisément cette fois-ci, thème non, c'est Free Haïti. Jacques Touyo lancé sur les réseaux sociaux une capsule qui relait mon réalité, qui traitait des sujets qui touchaient plus artistes. Dernièrement, je cite que Jacques Touyo dit « Moi, considéré un pile artiste dans HMI comme un alpha net parce que ou pas Jean Mourinho sur les réseaux sociaux. » Est-ce qu'il y a un artiste qui réagit par rapport à ça? Comment on pouvait réagir? Il y a un pile qui réagit, oui. Parce que il y a un pile qui a dit c'est parce qu'il y a un Covid, enfin, etc. Mais on est comme on dit déjà. Covid, c'est un prétexte, parce que quand même, présence sont importants. Covid, ou le travail pareil. Covid, McDonald's a frappé. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, artistes, c'est chercher un autre créneau, comment pour pas oublier. Parce que, comme aujourd'hui, moi, de tout autant, les gens sont coussouillés, sous-campés, oui. Tout le monde a passé devant. Passé devant. C'est exactement ça. Ça veut dire que, donc, mon réalité, c'est des réalités. Ce sont des boosters. Des boosters. J'ai réalité Montréal, son jeu de mots quand même, c'est pour me parler de réalité Montréal. Mais surtout dans HMI, pour me booster artiste, parce qu'en même temps, ils parlent, ils travaillent. Et c'est comme si, en pile artiste, puis tu même l'obéir manger à tout de suite. Il y a laissé au couple pour mettre des bouchons. Donc, donc il y a même ces artistes, je suis là, je suis là. Où dit encore,
est-ce que nous chantons en termes de jazz? Par exemple, citer des noms, est-ce que nous avons pris ça en personnel, comme si Jacques Trouillot voulait éliminer jazz là? Mais en fait, c'est parce que ça rejoint samedi, c'est au campé, c'est que tout le monde passe devant. Donc en même temps, il y a un paquet de jazz qui n'a jamais fait rien, moi citer non ouvertement, et moi des fois, non seulement citer non, une tague de monde qu'on est là pour qu'il y ait un poste là. Oui, il y a des fois dans le film qui est fâché, mais au capable de fâcher, mais démentir. Oui. Parce que pour exister, il faut qu'on produise un bagage. Est-ce que au sein de jazz, il n'y a pas produit rien? Le regard de 2020, dim soit fin 2020, dim soit fin 2019, dim soit fait, bam, pas mal. Si on a acheté de tout ça, on fait pas d'année, il n'y a pas pour grand chose. Pas grand rien même. On dit pas grand chose. Donc si pas grand rien même, c'est que pour moi, on pas exister. Parce que quand même, si on exister au moins une fois, deux fois, pour être capable. Mon bagaille, quitte c'est au moins 10 mois de sortir mon bagaille. Parlez de nos bagailles, qui prend pour de sortir mon bagaille, mais 6 mois, ou même affiché d'après tourner, il y a parlé de lui, mais et puis pas grand qui fait. Alors que un acte tombé, regardez là, un an, il y a Diaz qui sorti vidéo, il y a Diaz qui sorti plusieurs projets, on peut même citer quelques noms, si vous regardez bien, exemple, Black Parents sorti son vidéo récemment, changé de style, etc. Mm-hmm. Et a profité et souhaité bon rétablissement à chanter Black Parents, hein, qui c'est Wesley G, qui a boumé avec une maladie. Donc, il y a non seulement Incognito qui sorti une vidéo tout, on a salué Paul Elis sous trac ça, et qui travaille. On l'autre vidéo en solo, nous gagnons plusieurs autres. Moi, je connais par exemple T-West avec Gaël qui a travaillé son vidéo. Nous gagnons plusieurs jazz, plusieurs artistes solo. Et moi, c'est ce moment vraiment où artistes sont concentrés. Concentrés, il y a le TJ qui a travaillé. Exactement, le TJ Machin n'a pas travaillé. Travail, Tolarito, shout out. C'est souvent décidé de quitter le Canada aujourd'hui, là, Jacques. En dépit de tout ça qui a passé, nous avons tout le pays bloqué. Qui peut nous choisir à l'habiter? Pour quelle raison? Bon, en fait, si tu as décidé de quitter le Canada pour nous habiter, vivre, peut-être. D'avoir le Miami. Pour qui ça? Parce que c'est la maman mienne, j'ai un peu de soeur frère, j'ai plusieurs soeurs frères qui l'a et qui t'a très content là avec eux. Donc, je pense que c'est là, je vais profiter du soleil là tout. L'autre petit, est-ce qu'on peut mon nom jouer que des bonnes barres? Non, jouer ça, son gros nom, son nom. Non, il dépend de moi. Honnêtement, là, c'est. On va pas se hésiter des noms ça. L'Amexo. Oh, L'Amexo. Parce que non, Zo, ou mais comment oui, dire oui, Zo Poupé. Pas Zo Poupé, mais c'est parce que j'étais tellement mec. J'étais tellement mince, sexy. Et dès qu'on fait un pile sport, tout pas oublié, dès qu'on jouait football pour Saint-Louis. Donc, sport, bah, exactement. L'Amexo. Donc, mais, et c'est ça fait tout le monde qui t'est développé une sorte de complexe là, quand même, qui fait mal pour un pile vitamine, elle prend un pile barre, comme des camions aussi. Mais aussi, il y a un bon, c'est 18-19 ans, mais il y a un problème dans le genou. Non, pas oublié, dans le football, on prend des chocs, côté fait deux interventions, une à chaque genou. Vous faites deux interventions, vous êtes obligé de quitter ce sport, pas qu'à trois courir encore tout parce que quand même hiver là, tout le monde genou là, c'est comme récemment, peut-être en décembre, il y a moins de douleur. La donne, toujours quand il y a douleur, la donne, surtout les faits frais, et monter, descendre l'escalier, donc vous obligé de camper ce sport. Et donc ça fait mon disant, prends pile pour tout. Et même regrette son conseil, va tout profiter. Pour me battre tout le de tout, pas quitter le monde complexe, non. Pas quitter le monde intimidé, non. Faire non avec nos gens le bon pour non. Et c'est une question que je toujours poser petitement autour. Si l'école là, il y a un monde qui a pas merdé, parce que petit film, non, petit gens grand, gros, alors que deuxième, non, maigre, si il y a un monde qui a pris le comme si gros vent, intimidé pour me connaître, pour me suivre, parce que je ne veux pas être intimidé. Au niveau d'écriture, est-ce qu'on y a un auteur ou un monde qui inspire ou que vous suivez de près? Pour moi, il y a plusieurs, parce que quand même, moi, j'étais plus inspiré par la littérature française. Par exemple, là, on prend des auteurs comme Jean-Jacques Rousseau, là, on prend par exemple Arthur Rimbaud, surtout les auteurs qui toujours apportent la tristesse, parce qu'on prend dans tout écrit, tout, c'est toujours plus la tristesse. Même le roi de rire en pleurs, on prend plus pleurs que rire. Donc, c'est des auteurs français qui étaient toujours inspirés. Depuis les 12-13 ans, c'est auteur ça on t'a suivi. Même les en pile auteur, comme je dis quasiment tout auteur, surtout français et haïtien, pas oublier par en Haïti, nous avons gagné en pile pour littérature française, littérature haïtienne, côté que nous lit en pile. Et ici, nous prenons littérature québécoise, nous font littérature québécoise.
Et par exemple, de rire en pleurs, le m'a écrit livre ça, tout me déplaît mon saveur québécoise là, qui fait passer en pile temps dans la bibliothèque Châteaulier. C'est exactement pour moi style écriture et québécois, pour moi qui ça est, pour moi au moins plus ou moins comprendre essence québécois, pour moi faire un livre qui n'ont l'autre niveau, qui pas même genre avec ancien livre moi. Est-ce que vous avez remarqué que proche ou faire ou qui arrive sur ou qui dérange? Ah, oui, moi, je souvent, c'est Yab Batman. Vous savez que sur Facebook, et des fois, il y a des gens qui m'ont mis, qui avaient pris ma caisse sur notre compte, etc. Des fois, ça dérange parce que j'ai l'impression qu'ils ont dit j'en peux. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre ça. Ils ont dit j'en peux. Donc. À quel moment, Jacques, vous reconnaître si on son vrai ami que lié pour vous? Bon, pour me reconnaître si on son. On dit un vrai ami, c'est rare. Mais au moins si mon bon monde qui s'en pour moi-même pour passer une semaine ou pas gagne nouvelle moi pas chercher gagne nouvelle moi ou pour causer même si c'est leur besoin seulement va briller ou pour causer même donc pas grand pile vrais amis j'en dis là tout même que plusieurs monde qui capable dire qui l'entourage moi qui toujours là pour moi qui m'en en pile conseil ou qui compte sur ça veut à tout moment ça je considère yo dit que formateur sont pas cas amis ou même comment on comprend la logique ça. Moi partager logique là et moi c'est très difficile à moins qu'on ait un cadre professionnel vraiment professionnel côté nous tous les deux rester dans sens professionnel. Oui là on capable des amis mais faut rester dans cadre professionnel là, mais souvent très souvent cadre ça malheureusement toujours dépassé soit bon côté ou dit mon yo et soit fille à 4 shilling ou elle là 4 shilling, mais si nous rester dans cadre professionnel là nous éviter des contacts. Vraiment, je pense que nous sommes capables d'amis sans ne pas rien de contact. Parce que c'est contact entre humains, leur proche, maintenant, qui a fait bah, développer facilement. Suite à la dissociation avec l'équipe Creole Mix, là, le groupe que vous avez dirigé, vous avez mis sous pied, est-ce que je vous l'ai dit, nous avons une relation tendue ou bien nous entendons nous avec le membre du groupe? Laissez-moi. Pour moi-même, relation entendue. Ça veut dire que relation plus pour moi-même, une relation qui est basée quand même. Soit un peu d'hypocrisie, il y a toujours pas gagné avec, même qu'on est dérangé, et en pile fois, on fait des postes qui peut-être que senti au visé sans que qui parle rire, mais qui visé comme pour tout jazz. Il m'a parlé de jazz qui mourit. Écoute, qu'on le veut ou non, si on fait mon autre jazz avec mon autre nom, son autre jazz sacré là avant de mourir, yeah. Son autre baptiste est gagné, il va appeler à l'admettre, il a toujours fait comme si c'est même bagarre là, etc. Il va appeler à l'admettre, quand il aime ça, il va le fâcher. Mais tout ça dit, il prend le personnel, il pense à faire, il va parler. Et la preuve, je pense que relation entendue. Et si je suis le seul monde dans Creole Mix qui connaît un nouveau local que je suis là, donc tout le musicien qui est là, je ne vais pas même prendre le local avec les gens qui passent dans mon visite là. Donc ça veut dire que même si je suis entendu, il n'est pas entendu, mais je parle de mon fondateur, pas l'autre musicien. Oui, oui, mon mais fondateur qui est compensé. Est-ce que vous considérez que M. Sario est un grand par rapport à ça? Ou du moins, c'est que vous respectez le choix à côté que vous campez en dehors de ça? Bon, moi-même, je peux respecter le choix parce que quand même, je ne peux pas faire pour attendre une reconnaissance. Parce qu'on est que, en pile fois, mon yo a toujours tendance, par exemple, à reconnaître ce qu'on fait pour vous. Il y a toujours tendance plus, ouais, ça est mauvais, hein, même si vous avez fait. 9 et 99 choses qui bonnes, mais ça mauvais, on dirait c'est lui-même qui a pas choisi. Et je vous dis, si ça n'a pas arrivé là, c'est parce que justement, il y a un pile qui toujours un petit manque de respect, il y a comprendre, il y a un gens pour parler à moi. Quel que soit le niveau, il y a un gens pour parler à moi. Qui commentaire que vous recevez de vos fanatiques ou bien de monde qui a suivi vous, que vous avez un souvenir, que vous avez partagé avec nous, un commentaire qui arrive sur vous positivement? Oh, mon cher commentaire, ça arrive là. C'est Martin qui vient nous commentaire qui dit: ah, Jacques, pour tout ça, entreprendre, on connaît, on privé quand même, on réussit à arriver parce que vous battez quoi en pile, ou démêlez, ou faites en pile l'effort, et vous méritez de gagner un succès. Ça, c'est un bel commentaire. Et je salue ma email sur ça, qui bon commentaire, ça arrive sur moi, et qui dit que, ah, on travaille sérieusement pour la communauté. Yes. Donc nous rendu la fin de séquence ça qui c'est confessionnal radical et nous connaissons que Jacques Douillot parle avec nous avec toute sincérité, il n'est pas caché ça que lui a envie d'exprimer. Qui est le plus gros défaut que nous partagé avec nous que toujours reproché pour gagner? Ce qui est reproché, peut-être sincérité, il faut en parler, c'est
c'est ça que tu as dit défaut, en même temps son qualité. Parce que c'est comme si on toujours dit, ah, on va pas la guerre comme ça, mais en même temps, moi-même, si je m'en dis un bagage, je ne vais pas quitter le monde. Je ne vais pas quitter tout faire. Donc, moi-même, qui pique au défaut, je vais plutôt c'est ou qui fait mal, que c'est moi qui fait mal. Donc, c'est ça. Donc, je préfère reconnaître ça. C'est peut-être égoïste un peu, mais en même temps, je pense, même pour tout le monde, moi, je vais comme ça. Plutôt c'est, je dis, c'est au souffrir, mon bon éducation, que c'est moi qui souffre, et puis après ça, mon mauvaise éducation. Jacques, si vous permettez, nous allons faire une petite pause. Là, nous retourner, nous allons présenter mon ça nous est une histoire en image. Côté que invité nous allons présenter quelques images, et puis là, nous allons une histoire, image ça, côté sorti, parce que chaque image a une histoire derrière. Alors, c'est ça. Nous allons faire une petite pause tout de suite, et nous allons retourner, rester branché, ou suivre VIP. Voici l'invité de Peter, invité par Jody. Ne voulez c'est oh, là, pour les autres noms. Radicalier, tonton. Radicalier, ne voulez pas. Faites pour clocher, tout blanc, il va dire au cloche. Mais c'est un hallucinogène. Été arrivé, bagage soleil chaud. Puis belle programmation, c'est sous télé radical, n'a pas c'est comme un hallucinogène parce qu'il était lié ou gros. Exactement. Oui, Charlotte télé radical, c'est pas Charlotte comme Charlotte, non? Il a payé. Dernier fio, n'a pas attendu Gabou Tabé. Hey, time is time. The time is the time. Okay. You know that shit, happy bro? Hours. Tell me about that, bro. Yeah, bro, if you see the time, Jolet is off Téléradical. Même déjà allé parce que Charlie a trop fait bon Google. Téléradical, non, mais on. Radicalement radicalisé, ça va, j'ai. Et gars, petit sujet à bout. Mais je dis nous à brancher radicalement en Téléradical. Oui. Instagram, Facebook, tout le bagage est net. Yeah! Yeah, bro! C'est comme un hallucinogène jeune parce qu'elle était lui ouais en gros. Exactement. Que n'a présenté invité à une tablette la petite nous photo ça yo Jacques est-ce que tu dis nous c'est qui est-ce qu'on va montrer lui tout d'abord et puis on va nous histoire photo ça. Oh my god. Ça c'est une photo très jeune. On va rappeler qui côté photo ça a fait honnêtement mais seulement pour connaître ça son bagage de très jeune. À l'époque, peut-être, j'étais dans 23 ans. 23 ans. Ou bien souvenir, tout le monde savait que ce photo est toujours en contact avec vous. Sincèrement, là, je ne vais même rappeler de tout le monde. Ils sont seuls, moi, je connais ce photo là, vraiment. C'est seulement de moi clair que je connais. Oh, ça veut dire que depuis l'année, ça nous ensemble. Ah, oui, c'est à peu près 25 ans ensemble déjà. Là. Wow. Oui, donc à l'époque, j'étais 19 ans, je ne vais pas rappeler l'autre monde. C'est sûr, mon ami parle. Qui là parce que là on va ouais vraiment qui est sur la photo ça. Ok, alors prochaine photo qu'a passé ça. Oui. On va chercher loin vite. Bon, ça c'est moi même là dit que nous avec petit frère nous avons à l'école. Ok, c'est moi avec petit frère. Oui, ça c'est petit frère Patrick qui a un an, nous avons un an de différence. Ok, ouais, donc faisait ça. Ok, ou qu'a vu les doigts pour nous ok. Ah, ok, parce que lui on est Miami lui même tout, c'est une frère de Miami qui a bien travaillé. Ok, ok, ça c'est très bien, excellent. Deuxième, troisième photo. Bon, ça récent, ça c'est récent, ça c'est les deux mes deux princesses. Donc, pas grand pays soit c'était pour Pâques. On a fait photo ça et puis on a fait ensemble, on a mangé. C'est ça. Est-ce que Timon y a eu intégré dans le champ de sort pour vous pouvez dire ça? Ah, ça très intéressant comme question parce que je regarde les petits films, puis grand, sans pas montrer le fin, pour les prendre faire, etc. Et puis le coller avec quoi, puis il a fait un livre. Pour les faire quatre pour maman, il a fait un fil pour compter, les plier, etc. Avec les textes, etc. Donc, conseil de bagaille que il fait, c'est pas moi qui montre, et puis il même il fait, qui a des rapports avec l'imprimerie. Exactement. Et c'est un homme qui aime dessiner en pile. Il aime acheter en pile tableau pour lui, il a fait des peintures, il a fait des coloriages. Chaque matin, même avant l'école, il a fait. Et il a fait une guitare pour lui. Que lui même tout il a fait après la musique là je l'ai dit ou accorder guitare ou les il y a keyboard les tout donc de temps en temps après ça c'est bon donc mais j'espère à côté là sur côté il a un petit bouton ouais ouais lui on peut mettre passer le tout il a supposé monter. Okay. Donc c'est ça. Même si petit en tout, il y a très choses dans la musique. Okay. Parce qu'actuellement, il apprend pour soi faire jouer dans l'école. Lui. Oh. Donc ah, c'est comme ça. Il prend cours de danse. Il fait plusieurs spectacles déjà dans la danse. Il fait aussi un spectacle parce qu'il prend des cours de acrobatie. Comment on dit ça? Gymnastique. Gymnastique, voilà. Donc, le c'est intégré Timounio. Je crois que c'est important pour les parents et tout. Timounio.
c'est l'avenir. Ça veut dire que si nous capable profiter, parce que moi-même, tout ça, je ne peux pas profiter des jeunes en Haïti. Si moi-même, je peux jouer en même temps, c'est des activités qui, des fois, qui sont gratuites. Donc, parents, nous avons intérêt à faire participer au max. Et ça, faire des tout, nous moins de temps pour la oisiveté, moins de temps pour faire ça que passe. Donc, au moins, il choisi de faire autre bagaille. Wow. Ah! Bon, là, nous disons c'est de bagarre, il y a une photo de prouver. Oui, bien fait par la pluie. Exactement. Ça, là, vous êtes dans l'équipe, c'est dans l'équipe sauteur. Saint-Louis, okay. Exact. C'est Saint-Louis, parce que là, on fait toutes les secondaires moins. Donc, on va pouvoir être champion là, et tout là, des champions. Est-ce que vous avez un contact toujours? Bon, moi, moi récemment, on fait une classe. Ça, oui, il y a plusieurs contacts. Non, parce que nous avons une association que le vaisseau, okay. Un groupe Facebook. Des anciens. Nous avons Facebook, pas Facebook, mais plutôt sur WhatsApp. Sur WhatsApp, oui. Nous avons un groupe WhatsApp, côté que tout ancien est promotion centenaire. Là, pas de dire une promotion centenaire, c'est le Saint-Louis de 100 ans. Donc, okay. De la donne, nous toujours parler. Bon, c'est sûr que pour voir les messages qu'il a donné, nous n'avons pas entendu tout, etc. Oui, oui. Mais c'est sûr, l'année dernière, nous avons avec lui, c'est un ancien, c'est la qualité de Léon Kaye. Et Dr Lambert qui était reçu voir nous la Kaeli. Donc là ça me rencontrer plusieurs. Bon le tout allé de rencontrer Laurent Lamotte, Laurent qui était promotion okay. D'eau. Okay. Donc aujourd'hui moi j'étais sur l'autre radio là justement. Donc on était en train de parler pendant dans Haïti pendant le premier ministre. Ouais, me gagne Stéphane Saoud m'a dit le condoléances tout qui c'est ancien avec moi tout que maman est mort malheureusement aux États-Unis. Donc on fait ce travail pour lui là tout. Donc il y a plusieurs que nous en contact et c'est sûr. Si je voulais en contact avec vous par rapport à ce groupe là, nous avons toute information. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a une photo? Ça ne m'a même pas dit rien. Ça, c'est. C'est avec madame. Exactement. C'est ça qui attire attention dans la photo. Ça, moi, nous avons une photo comme si nous étions plus jeunes, nous grandissons, nous reconnaissons depuis longtemps. Oui, mais vous avez à peu près 25 ans. 25 ans. Oui, bon, mais nous connaissons plus tant que nous reconnaissons. Okay. Oui, ouais, mais ça fait 25 ans. Ok, nous étions amis avant 25 ans. Oui, 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 à peu près 7 ans avant. Oh, wow. Oui, 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 donc c'est quand même vieux. Donc, ça, c'est pour ça que nous faisons tourner, on est en vacances, nous faisons tourner dans les Rimouski, nous faisons tourner Québec, parce que moi-même, je vois Jean-Pierre dans Québec là tout. C'est pas seulement. Non, parce que mal les Mouski, mal les Saint-John, mal les Île du Prince-Édouard, Nova Scotia, on fait tout. On fait plusieurs. Donc, sans compter dans l'autre zone, Toronto, nous beaucoup. Mais au contraire, je travaille sur Alberta. Donc, peut-être que je suis capable de tourner là tout. Bon, mes photos, je vous reviens là. Oui. Ouais, ça nous approcher pour nous faire ok, voilà. Là, ouais, Jean, nous, t'es sexy. Oui, ouais, oui, pas oui, bien. Oui, pas bien, vent. Pas bien, bien là, oui. Là, peut-être c'est 13-14 ans, tout. Là, je dis qu'il y a un seul nom, t'es Haïti. Donc, nous, t'es. Vraiment, t'es un bagaille, t'es un bagaille. Oh, bon, ça, on déjà, ouais, ça dit, c'est communion. Communion. Ouais, oui. C'est peut-être 13 ans, peut-être 12 ans, pas après qu'il a joué des communions, mais il était jeune. Très jeune. Donc, non, pourquoi c'est le dernier? C'est le dernier. Wow. Parfait. Alors, c'est ça. Donc, mesdames, messieurs, nous sommes en retourner dans le passé avec Jacques. Nous venons Jacques de l'autre côté dans l'histoire. Il nous fait revivre ça. C'est très bien dans l'émission VIP. Nous sommes capables de faire revivre des séries de choses. Et voilà, il y a plus de bagages qu'il était dit. Nous, il pouvait nous une photo. Ça, qu'il va même connaître que nous avons une photo. Ça. Nous avons une dernière pause. Nous retournons sur notre pause. Jacques a performé pour nous de rire en pleurs. Il va faire nous découvrir quel extrait dans le livre ça qui est toujours disponible pour nous capables acheter. Commander en ligne parce que c'est très intéressant pour nous encourager. Invitez-nous. On a pris une pause, on a tourné encore. Cosmémé, distribution. Le meilleur centre de distribution de produits cosmétiques et capillaires en ville. Oh, taxi! Oh, qui joue là? Qu'on fait là? On connaît bien le magasin. On est au même. Taxi à quoi que t'as oublié? Ou qu'on aime bien salon de coiffure? Oublié bah ça. Ah mais oui. Mes amis, t'as plus besoin en gros. Regardez, regarde comment son gel, mes amis. Ça, oh. 438-887-6363 www.cosmemedistribution.com. Passez maintenant chez Cosmémé Distribution. Au 91 10 10e avenue Saint-Michel, Montréal. Moi, je suis là, bien plein là. Cosmémé. Cosmémé, Yodzo. Bon, bagay. Je viens prendre un gros. Je viens faire tout ce qu'on aime bien besoin. Ou qu'on aime petit chéri Haïti pour me faire quelque content. Maintenant, place à Jacques Touyo qui va partager avec nous quelques extraits. En écoutez.
Nous allons dire que le texte n'est pas très long, parce que le texte est vraiment bref, mais en même temps, il dit tout ça, vous l'avez dit. On va commencer avec un texte qui dit « Je suis ». Je suis celui que je suis. Je suis qui je suis. Toujours simple, sans aucune complexité, fusionnant à tout moment mes douleurs et mes bonheurs dans cette tisane qui est ma réalité pour rire et pour pleurer ma vie. On apprend un deuxième texte qui dit « Désir ». Ce désir me conduit encore vers toi, baladant mon âme sur les flots de ta vague pour te revoir, te toucher, t'embrasser, revivre des moments assouvis, perpétuels, parfois insensés, où la nature complice de nos entremêlements fredonnait une roucoulade amoureuse et le parfum de nos corps fusionnait avec les gémissements et les frémissements qui s'accordaient au rythme de nos cadences en effervescence et rendaient ces moments inoubliables. Un texte étrange. Cela peut en effet paraître étrange d'avoir conquis un cœur par ton charme naturel et ta bonté divine, être présent au bon moment, sans savoir combien le mot précieux gagne en importance en comblant de joie une âme endolorie. Sombre horizon. Ai-je encore la force d'aimer quand l'inconnu et l'incertitude ne cessent de frapper à ma porte, verrouillée par tant de peine et de chagrin? Mes rires, mes sourires massent de profondes blessures qui d'année en année se cicatrisent en cœur meurtri, ruissellement de larmes inondant mon oreiller, en portant mon sommeil vers l'inconnu, vers le destin méconnu. Là où l'amour a échoué, là où la peur s'installe, que reste-t-il du passé si même les souvenirs ont abandonné le navire du désespoir pour attendre le dernier soupir? Un dernier texte. Ombre. Sur mes joues se sont cristallisées les larmes neurostatiques d'un cœur qui a verrouillé les portes du bonheur, emportant dans sa déprime l'ombre d'un amour longtemps illusionniste et des pages d'histoire qui n'ont jamais duré ou même jamais existé. Fuyant dans ma solitude les regards puérils d'un monde d'hypocrisie où les vagues de la haine, malgré les controverses, fredonnaient la mélodie d'une âme émotive en peine, cherchant une ombre d'espoir. Merci. Merci beaucoup. Alors, oui. Le livre est disponible sur Amazon. Le livre est disponible aussi sur le site de Jacques Trouillot, donc www.jacquestrouillot.ca ou en magasin à l'édition Jacques Trouillot, 4054 de la rue Moncelet, au coin du Pineuf. Donc, un téléphone pour me contacter, 514-507-7770, ou encore le 514-885-8606. Comme Peter l'a dit, disponible sur les réseaux sociaux, Jacques Trouillot édition, et aussi Jacques Trouillot photo, ou encore Instagram, Jacques Trouillot, Snapchat, J Trouillot 2019, tous les réseaux. Donc je suis disponible. Donc contactez-moi si vous voulez le livre. Ça fait un plaisir pour me dédicacer pour nous. Ça fait un plaisir pour nous faire un chita causer et puis nous parler de poésie, parler de livres. Donc tout le monde qui a un livre, tout le temps publié, tout le monde qui a une mémoire, tout le temps sorti ou encore parler de lui, parce que nous offrons service à tout. Nous avons aidé à rédiger le texte, nous avons aidé à travailler sur un livre que tu as sorti. Parfait. Alors, mesdames, messieurs, ceci complète notre entretien avec notre ami, notre frère Jacques Trouillot, qui est poète, imprimeur, éditeur et aussi père de famille, qui est très impliqué dans la communauté haïtienne ici à Montréal, qui fait de la radio, comme nous sommes mentionnés. Encore une fois, c'est un plaisir et un honneur pour nous de recevoir Jacques aujourd'hui. Alors, Jacques, qui dernier mot tu as aimé partager avec les auditeurs, téléspectateurs dans l'émission ça, et puis pour nous qu'on rendez-vous la prochaine fois. D'ailleurs, m'a dit pour aujourd'hui, m'a dit nous qui là et puis nous continuer faire ça nous pour nous faire pour nous survivre, parce que l'important pour ne pas rester en place, pour ne pas faire du sur place, faire ça nous aimer, travailler avec que nous, et c'est sûr que nous avons besoin et satisfaction, nous avons besoin ça nous voulait joindre, nous avons besoin de réaliser rêve nous. Donc et puis entourez nous de monde positif, soyez positif et bonne chance. Merci beaucoup, à la prochaine. Le paiement de votre hypothèque est exigé dans un délai de 90 jours. 90 jours?
C'est pas possible. Mais je vais tout perdre. Vous ne savez quoi faire? Les connaisseurs JB Solutions Immobilières sont là pour vous. Ah bon? Quand c'est une question d'argent, il y a toujours une solution. JB Solutions Immobilières.